Nous continuons. Question 3, partie A. Reflect ABCD in the y-axis. ABCD, préparez bien square. Nous avons besoin de reflecter le y-axis. Alors, nous servons ça grid là ici. Nous remettons sa shape là, nous dessinons A, ce coordinate c'est 2n. D, ce coordinate c'est n4. Ça c'est point D. B, ce coordinate c'est 5, 2. Et C, ce coordinate c'est 4, 5. Divine 4, 5. Ça c'est C. Alors nous avons besoin de tout ça dans le point là. Avec 20 straight lines. N. 2. 3 et 4. Next, ce que nous pouvons faire, ça c'est nos objets. Nous pouvons reflecter et que nous reflecter, mirror line et y-axis. Alors, si nous reflectons le y-axis, alors chaque point, nous pouvons joindre avec une perpendicular line. Si nous essayons de suivre, ça va la ligne qui est déjà dans le grid là, parce que si y-axis est vertical et la ligne perpendiculaire est horizontal, alors tout ça va la ligne que vous pouvez trouver là, est horizontal. Alors, n pas, nous pouvons continuer à n pas à gauche, mais c'est ça, nous pouvons se faire. Ici, nous pouvons n2, nous pouvons continuer à 2 pas à gauche, nous pouvons se faire. Ici, nous pouvons n, 2, 3, 4, 5, n, 2, 3, 4, 5, nous pouvons se faire. Et pour dernier, n, 2, 3, 4, n, 2, 3, 4. Les venez ici. Là, nous joignons tout ça dans le point là. Ok, ici il y a une N, nous avons une ligne là, ici il y a une deuxième, troisième et quatrième. Ça c'est object et ici nous dessinons sur image. Ça c'est comment nous reflect and shape le y-axis. Partie B, nous avons besoin de reflect sa shape là, le x-axis. Alors nous dessinons sa original shape là, mais nous coordonnons ça le NN. 2n, next on a 3, 3, et 3, 2, 4n, et 5n. Alors nous jouons ça dans le point là. Ici n, deuxième, troisième la ligne, quatrième la ligne, cinquième, et sixième. Ok? Next, nous pouvons reflecter tout ça dans le point là, le x-axis. Et nous prenons les n par n. Ça point ici là, n par en bas, les venez ici. Ça point ici là, n par en bas, là. Next, pour ça payer là, 2 pas, nous descendons 2 pas en bas. Ici là, les 3 pas, nous descendons 3 pas en bas. Ici, n. Ici, nous pouvons n. Next, nous pouvons tout ça dans le point là avec 20 straight lines. Le premier ici. Deuxième, next, troisième, quatrième, et next, nous commençons à deux points là, ici, ça c'est object, et ce que nous dessinons en rouge ici, c'est image, que nous reflectons cet objet là, le x-axis. Next, pour partie C. Nous avons sa shape là pour reflect le x-axis. Alors nous dessinons sa shape là, ben point là, il est 3, 0. Ici il est n2. Next, 3, 5. 5, 2. Nous avons sa point là. Alors ici n. Deuxième. Troisième. Et nous avons avec quatrième. À ce shape là, l'indien n'a pas besoin de refléter le x-axis. Alors, n point, c'est déjà le miroir, il reste la même. C'est-à-dire, ce point là se paie pour la même. Ici là, nous avons besoin de descendre 2 pas en bas. Ici, nous avons besoin de descendre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Next, ici n2, ici n2. Nous avons besoin de ce point là. N, 2, 3 et 4. Ça c'est object. Et ici c'est image. Ça c'est réponse pour question 3 sur partie C. Nous continuons. Question 3 sur partie D.
Et dans cet objet-là, nous pouvons dessiner avant. Mais une coordonnée, c'est négative nn, négative n2, négative 3n, négative 3, 4, négative 2, 4. Alors nous joignons n, 2, 3. Et ça point là aussi un peu autant, négative 2, 2. Nous continuons. Ok, nous finissons un objet. Next, nous pouvons reflex cet objet là. Mais nous faisons bien attention, le qui nous dit pas x-axis, y-axis, la ligne x is equal to negative 4. Alors, x is equal to negative 4, c'est une vertical line qui coupe x-axis de negative 4. Ça qui vient, mirror line. Et mirror line, la ligne x is equal to negative 4. Là, nous pouvons reflexer cet objet-là, l'eau sa mirror line-là. Il y a une vertical line, mais c'est la ligne qui nous peut joindre avec mirror line, qui est horizontale ici, un pas, nous vous un pas à gauche, ici nous vous deux pas, comme mirror line, nous avons deux pas à gauche. Next, ce point-là, deux, nous vous deux. Ce point-ci, nous vous besoin vous un, deux, trois pour une mirror line, nous continuons, un, deux, trois. Next, ici là, un, nous vous un. Ici, un, deux, trois, nous vous un, deux, trois. Alors, ça nous joindre ça va un point-là. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Si la ligne a besoin de sa shape là, et ça c'est image, qui est demandé de question 3 sur partie D. Next, dernier partie E. Nous pouvons besoin reflex sa triangle là PQR le la ligne x égale 2. D'abord, nous pouvons dessiner sa objet là PQR sur une coordinate 2 4 7 4 x 7 n. Nous dessinons nos objets. Ça c'est object. Et que nous pouvons reflexer cet objet-là, qui la ligne x égale 2. La ligne x égale 2, il y a une vertical line qui coupe x-axis le 2. Alors nous dessinons le mirror line. Ça, c'est la ligne x égale 2. Une vertical line qui coupe x-axis le 2. Ça, c'est le mirror. Et que nous pouvons reflexer cet objet-là, le sa mirror-là. Alors le premier point, ça, c'est invariant, c'est le mirror line, il peut rester la même. Next, ce point-là, 1, 2, 3, 4, 5. Nous bougeons, 1, 2, 3, 4, 5. Next, pour ce point-là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous joignons ce même point-là. Ici, 1. Ici, nous joignons. Et ici, nous joignons. Alors, ça, c'est object. Et là, nous dessinons image. Ça, c'est réponse pour question 3 sur partie E.